Ah, je vais te tuer, c'est quoi? Vengeance! Je vais devoir me raser la tête entière là! Petit con de merde! Pourri gâté, va! Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis content de partager ce moment avec vous. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Boy Pro. C'est le pronostiqueur qui fait en ce moment fureur sur les réseaux. Il m'a fait gagner pas mal d'argent à moi, il a fait gagner pas mal d'argent à d'autres youtubeurs. Si vous cherchez bien, vous trouverez. Et il peut vous faire gagner pas mal d'argent à vous qui regardez cette vidéo. Si vous croyez pas en ses talents et si vous voulez voir vraiment ce qu'il vaut, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, c'est simple, rapide et efficace. On va commencer cette vidéo par des dédicaces, oui monsieur. Dédicace à Lilian Lefer, à Ulysse L, à Karine Trumeau, à Baptiste Eric, à Rafi Lucas, à Bastinox 31, à Salim de Harness, à Ludovic Polanski, à Ronan Tasté et à Elwan. Les amis, si vous aussi vous voulez votre dédicace, n'hésitez pas à aller dans la description et à souscrire un abonnement de 4,99€ ou 10€ selon vos moyens. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez votre dédicace comme je viens de le faire pour tous ceux qui se sont inscrits. Faites-le si vous en avez envie, ce n'est pas obligé. Mais maintenant que vous voulez des dédicaces et que vous êtes nombreux à les demander, c'est le seul moyen pour que je puisse en faire quelques-unes dans chaque vidéo. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Je me suis fait passer pour un apprenti chez un garagiste. Pour connaître l'histoire de cette vidéo, je vous laisse la regarder. Je vous retrouve à la fin pour une petite conclusion et je vous souhaite un bon visionnage. Merci, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. A tout à l'heure et gros bisous. Bah les gars, est-ce que vous connaissez la blague du diable? Non? Dommage, j'allais d'enfer. Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de toute l'équipe, comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, en fait, ils sont toujours là et je les remercie du fond du cœur d'être là. D'ailleurs, vous pouvez les rajouter sur Instagram. Tout leur Insta s'affiche en dessous eux. Toi, non, il s'affiche sur ta gueule, tu le sais. Aujourd'hui, le concept, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais me faire passer pour un apprenti en mécanique carrosserie. Le concept, on l'avait déjà fait chez un cuisinier, chez un restaurateur. Le but, c'est de voir comment le patron se comporte avec les apprentis. Bien entendu, on n'a pas pris le garagiste au hasard. C'est des gens qui nous l'ont signalé sur Facebook et qui nous ont donné l'adresse et les coordonnées de ce dernier. Aujourd'hui, ça va être mon premier jour. On va voir comment il se comporte. Je vais essayer de placer des caméras un peu partout dans le garage. C'est parti, on y va et à tout à l'heure. Bonjour. C'est à cette heure-ci qu'on arrive. Allez, bouge ouais. Je suis désolé. Non, mais j'ai deux minutes. Retard. Ça va, ça va. Allez, vas-y, active. Allez, commence. Bon les gars, là je suis dans la réserve. Je vais prendre les caméras que j'ai sur moi et je vais les poser. Je vais les poser dans un endroit vite stratégique pour pas qu'ils puissent voir où je les ai cachés. Je sais pas encore, mais je vais au plus vite. Je vais au plus vite. Je cache les caméras le plus vite possible. Bon les gars, là j'ai la première caméra. Je vais la mettre sur un plan un peu stratégique. Oh, attendez. Bon les gars, là je pense qu'on va pouvoir commencer à tourner tranquille. Et j'ai vu que là-bas il y avait un autre établi, du coup je vais pouvoir poser une caméra. Je crois pas qu'il j'étais en train de remémorer ce que j'avais. Ça va, c'est vrai. Ça va. C'était chaud. Les gars, là je vais poser la caméra. Là où il y a l'établi, c'est-à-dire là où il y a le travail, où je suis susceptible d'aller. Là, il est monté dans sa pièce. Monsieur, excusez-moi, vous avez pas un truc pour travailler? Parce que là, si je me tâche, en plus j'ai enlevé la... Vous avez pas un vestiaire? Vous avez pas un vestiaire? Ben, je viens d'arriver, j'ai même pas de... Et en deux secondes, tu retires ça, tu regardes. Je vais travailler comment? Comment ça? Tu veux quoi, une salopette? Oui, je veux un truc. Oui, vas-y, prends ça. Prends ça. Merci. Et allez, qu'est-ce que je fais? Je vais travailler avec des écouteurs, toi? Ben, c'est moi les écouteurs. Allez, on va. Non, bah ça va. Je mets comme ça, c'est bon? Parce que sinon, le téléphone il va sonner sans arrêt. Si je te vois avec un écouteur? Non, mais ça va, je laisse comme ça, c'est bon. Dégale.
que la maison. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Commence par quoi? On commence à nettoyer là. Commence à nettoyer, tu passes un peu de balai. T'arranges un peu, t'arranges surtout là. Et pour là, le bordel que tu vas en avoir besoin. Mais je range. Je... Ah merci, c'est gentil. Allez. C'est un peu sale quand même. Un garage. C'est quoi ça? C'est ton bout. Qu'est-ce que ça, tu l'as pas vu ça? Bah, je sais pas, c'est. Putain, je m'attendais pas à ça quoi. Enfin, toi, tu vas l'entendre toutes les 10 minutes. Hein. Dis-moi, après, t'as vu ta meuf. Ouais. Quand tu l'as dit, c'est si long. C'est si long. Parce que putain, faut détourner. Bon, je fais ta vie. Je suis désolé, chapin, moi, je fais. Vous avez regardé le balai que vous m'avez donné aussi. Je fais avec ce que j'ai. Tu crois que moi, j'ai fait comment? Et là. Je fais avec ce que j'ai. Voilà. Vous me faites plus vite ou? Je vais le balai, putain. Ah, merci. De rien. Allez, bonjour. Et vous, vous avez déjà eu des apprentis ici? Ouais, j'en ai eu. Ouais? Ouais. Et de toute façon, ça me dit. Quand tu es remarques comme ça, on n'a pas le temps, plus je regarde pas la tasse, je demande si vous avez déjà eu des apprentis. Ah, bah écoute, ça, travail. On n'est pas ami, on n'est pas collège, je suis ton employeur. Tu m'en apprends dessus. Donc oui. Le reste, ça f*** des autres. C'est vrai, j'ai le droit de poser des questions quand même. Non, faut pas aller. Ça fait plus vite, là. Hein? Fais plus vite, là. Mais je fais plus vite, hein, chef. Plus vite, hein. Tu fais une minute, je vais faire plus vite que toi. C'est quoi, ça? Et est-ce que vous faites plus vite, déjà? Ah, moi, tu me parles de qui, moi? Je suis ton employeur. Tu me manques pas de respect. Moi, oui, je fais plus vite. Et alors? En maintenant, pas aller, sinon, je te le dis. Pourquoi vous êtes agressif comme ça, chef? Parce que je suis pas ton collègue. Mais ça va, d'accord, mais on, si on va travailler ensemble. Ensemble. Je suis pas ton collègue, pour le moment tu travailles. Mais si on doit travailler ensemble pendant des... Ça t'endurcit, au moins tu es toujours réactif. Vous avez une pelle pour ramasser? Je crois que j'ai fini là. Là, ramasse avec les mains, on s'en bat. Y'a pas ramasse avec les mains, c'est pour vous. Tu vois une pelle là? Mais j'ai pas tu même pas... Tu la pelle. Mais j'ai même pas de gants. Il m'en bat les... Ramasse avec les mains. Putain, c'est sale. Vous venez de mettre le mégot par terre. Vous savez quoi, il va bien se faire une c***. Je vais rien ramasser du tout à la main. Voilà, allez, tout dans le coin là-bas. Et ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Je repense ça en mort. Qu'est-ce que... Mais je... Mais je suis en carrosserie, il faut bien que je repeigne. Ouais, mais tu repeins. Arrête, tu repeins quoi? Tu... Vas-y, pose-moi ça, je vais te... Pose-moi ça, allez, dégage, va à l'arrière. Je... Mais je fais de la peinture. Je t'ai dit ranger, je t'ai dit moi d'un coup de... Eh ben, ranger, c'est pour que ça soit plus beau. Et moi, si j'ai envie de prendre un pain, de prendre une faute, tu repeindras toi. Mais là, je repeignais pas vous, je repeignais le... Ouais, allez, range. J'ai fait une petite aussi à Stelzen. Debout, je t'arrose. Debout. Tu veux pas mieux, toi? Retourne travailler, j'ai dit. Bouge pas. Prochaine fois, je te le mets. Chef. Moi, j'étais en train de faire un rêve de fou. Ouais, moi aussi, je vais faire un rêve. Dans ta... Je vais faire un rêve. Allez, sors-toi les deux. Tiens, chef. Ouais. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, 5 minutes? Ici, là. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais aller sur Facebook 5 minutes, mais... Mais qu'est Facebook? Casse ton monde de là. Mais y'a... L'ordi, c'est pourquoi? Viens. Pour aller sur Facebook? Viens. Mais il sert à quoi, l'ordi? Sinon, viens, c'est pas aller pour aller sur Facebook. Viens, je te parle. Je veux aller sur Facebook, j'ai des gens qui... Viens, aussi Facebook, mais regarde. Facebook, je suis au travail. Viens. J'avais déjà... Mais bon, parce que moi, je vous explique, j'ai pas Facebook sur le téléphone. Écoute-moi bien. Mmh. Tu me fais exprès ou quoi? Non. Tu es en train de me faire péter un câble. Tu vas pour Facebook, là. Chef, moi, y'a un truc... Non, y'a pas de chef. Tu fermes ta... Je travaille. Je voulais juste aller sur Facebook. Je m'en bats les c***** pas Facebook. Range-moi. Non, parce qu'en fait, je... Range-moi ça. Parce qu'en fait, je vous explique, je joue à Candy Crush sur Facebook. Mais qu'est-ce que ça bat les c***** de Candy Crush? Oh, il va me faire payer ce mec, oh. Ouais, mais j'ai atteint un niveau quand même. Ferme ta c***** Maintenant, tu vois ton bordel? Tu vas l'arranger pour que les autres, ils sont plus faciles de se retrouver. Les regarde ton bordel. Mais c'est pas moi qui l'ai mis, le bordel.
Tu t'en fous, c'est comme ça. T'es pas content, c'est pareil ailleurs. Je graisse les outils. Qui t'a dit de les graisser? Moi je graisse un peu les outils. Non, graisse les outils. Moi j'ai jamais vu ça, on graisse les outils. Range, ça prend mal. Tu sais quoi, moi je vais te graisser. Alors maintenant, range. Allez, oh, s'il faut te secouer. Je suis pas une femme de ménage, moi je suis un... Range. Et alors, raison de plus, comme ça qu'on apprend. Allez, arrange. Ça réchauffe. Bah tu me prends vraiment pour une con, c'est un sketch. C'est un sketch. Qu'est-ce qu'il y a froid? Mais il fait froid là. Allez, travaille ici. Tu vois ça, je vais te mettre dans le... Allez, travaille. Bon les amis, je vais repeindre la voiture qui est derrière moi. Et on va voir sa réaction. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça? En fait, moi, quand je suis chez moi, je prends des toiles et tout et je fais des dessins. Mais tu peins sur des vitres? Et moi, non, mais parce que quand je fais des dessins, ma mère, elle me dit que je dessine. Mais ta mère, elle t'a dit de dessiner là? Mais ma mère, elle me dit que je dessine bien, donc du coup, je voulais vous montrer. Je pense que le client, il sera content s'il repart avec un cœur et un. En fait, regardez. Mais en fait, je sais pas si c'est un poisson ou un oiseau. Du coup, ça peut être un poisson haut. Ou un poisson oiseau. Je vais t'exploser la tronche. Et ça, c'est la mer. J'ai fait la mer. Là, tu as fait la mer, tu me dis. Là, c'est la mer. Là, tu as fait la mer. Vous êtes arrivé, attendez, je finis. Moi, tu m'as fait de la mer. Il y a la. Tu sais combien là, tu m'as fait une journée de travail là. Mais pourquoi, c'est beau? Je vais passer 2 jours à le refaire. Là, tu m'as fait perdre 400 euros. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est ce pas. Tu m'as fait quoi là? Un cœur, un poisson et l'œil vague? Là, tu t'es cru. Mais j'ai pas fini, laissez-moi finir au moins. Ok, tu te prends pour qui? Tu t'assends ou quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Des gens qui ont des choses à se reprocher, ils veulent des vitres teintées. Et là, comme ça, regardez, je l'ai fait pile poil là où il y a la tête du mec. Vitres teintées, c'est avec une bombe, espèce de sg. Je crois vraiment que ça se refait avec. Tu dégages. Casse-toi. Non. Mais chef, et l'apprentissage, j'en ai. Je sais plus. Allez. Faut sortir, s'il te plaît, parce que j'ai honte. T'as honte? Ouais, je suis pudique. Tu as rien dessous? Oh putain, je veux le frapper, c'est bon. Je veux le frapper. Je récupère la caméra, je me change vite avant qu'ils reviennent et je vous reprends dehors une fois que je dors. Bon, les amis, voilà. Bon, comme vous avez pu l'apercevoir, là j'ai récupéré toutes les caméras. À partir de maintenant, vous allez aller sur Instagram. Vous allez sur l'Instagram de Kamoff. Mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on y retourne pour vraiment lui faire comprendre que ce qu'il a fait et comment il m'a parlé, ça ne se fait pas. Ou sinon... Mais si vous voulez pas qu'on y aille, mettez-le aussi dans les commentaires. Vous dites non, c'est bon, ça suffit, tu y as assez fait la misère, etc. Moi, mon but personnellement, et on en discute aussi avec l'équipe, oui, tout le monde pense qu'on devrait y retourner. Parce que là, ok, c'était rigolo, mais je veux dire... Il y a des propos qui ne se disent pas. Voilà, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses vraiment, je leur ai expliqué, je leur ai montré les vidéos. Il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Et si moi, je ne l'avais pas rendu fou comme ça, je pense que je serais encore en train de travailler avec lui. Et il m'aurait pris encore pour un esclave. Enfin, il m'a jeté les mégots par terre. Il y a des choses qui ne se font vraiment pas. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est vraiment très petit en comparaison de ce que lui m'a fait. Voilà, donc rendez-vous sur Instagram maintenant, les amis. Allez voter. On a mis une photo très spéciale. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec tous mes amis. Il y a tout leur Insta qui s'affiche ici. Rajoutez-les en masse. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il ne vous reste plus qu'à aller sur Instagram maintenant, il s'affiche ici, pour voter et pour nous dire si vous avez envie qu'on retourne voir le garagiste pour le punir, ou si vous voulez qu'on laisse l'histoire comme ça et qu'on arrête de le traquer. En attendant, une fois que vous êtes allé sur Instagram, eh ben vous allez aller sur www.futuratech.com si vous voulez acheter nos vêtements, nos t-shirts, nos shorts, nos pulls, nos casquettes, nos porte-clés et bientôt les sacs à dos ainsi que des bonnets, etc.
Pourquoi tu me fais ça, frère? J'espère que cette vidéo vous aura bien plu, qu'elle vous aura fait rire. En attendant, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo à 18h sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser votre avis en commentaire. Si vous vous sentez concerné par ce que vous venez de voir, ou si vous faites des apprentissages ou des stages, n'hésitez pas à en parler à votre école, n'hésitez pas à en parler à vos parents, ou à quelqu'un de responsable qui peut vous défendre. Sachez que les patrons n'ont pas le droit de vous parler ainsi et que c'est punissable par la loi. Je vous fais de grosses bises, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Faites attention à vous et à bientôt. Ciao!